Bonjour mes amis et bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios Lancelles.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora et la radio Puissance Max. Pour notre mardi, je pensais que le 14 était plus dur que ça à trouver. Bah non, tiercer des ordres en 6, carter des ordres en 6, carter dans le désordre en 8. Bon, c'est une arrivée avec des favoris, donc c'est des rapports de cacahuètes, comme on dit dans notre jargon. Mais bon, bah, ça fait du bien hein, de vous donner de... J'espère que vous avez, même si c'est des petits rapports, que vous l'avez touché quand même, mes amis. Toujours là, d'un réel plaisir de vous donner, hein, bien sûr, le KT. Donc, pour notre mercredi 14 septembre, on change de registre. On part sur le très, très bel hippodrome de Compiègne. Réunion à course 1, distance 1600 mètres, 16 au départ. Alors là, j'ai fait une sélection. Vous allez voir, il y a des chevaux qui ne seront pas dans la sélection de tout le monde. Allez faire un tour dans les autres pronostics qui piquent. Et vous m'en reparlerez dans les commentaires. Mais il y a deux chevaux que j'y crois pas beaucoup. Le 6, Scottish Saint. Mon cheval du jour pour ce KT, elle est très régulière. J'y crois beaucoup pour une très belle place. Dans le KT, je la vois. Après, la gagne, on verra. Le 7, Twilight. Je tente un coup en deuxième position. Mais voilà, on ne sait jamais. Parce que lui, au niveau de la presse, il est assez loin. Mais il a un jockey qui est pas mal en ce moment. Donc attention. Ah, alors là, mes amis, ma troisième base. Mike Alamba, le 8, Bailey Mémoire. Au niveau de la presse, il est en 9e, au niveau de la synthèse, et moi je le mets en 3e base. Elle est aussi très régulière, j'y crois beaucoup, pour une belle place, avec une très 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 belle cote. Méfiez-vous du 8 pour demain, enfin mercredi. Le 9, Dr. Roy, Ron, pardon. Bon, très gros coup de cœur, et bon, très 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 joli coup de cœur. Vous savez qu'en ce moment, mes coups de cœur, c'est pas mal. Mes 4 bases, le 6, le 7, le 8 et le 9. Attention au 7 et surtout au 8. Mettez une petite croix sur le 8, mes amis. Le 2, Match Media, pour une belle place avec son jockey du jour. Tout comme le 12, Bex Sixten, que j'aurais pu mettre plus haut, mais j'ai fait un choix. Lui aussi, je le vois très bien pour une belle place. Attention. Le 10, Everman, mon coup de folie. Et le 5, Hollywood France Africain, mon coup de poker. Attention, lui aussi... pour une belle cote, pas souvent dans une sélection. En cas de non partant, le 3. Bon, cheval du jour, le 6, mais de base, le 6 et le 7. Mon très joli coup de cœur, le 9. Mon coup de folie, le 10. Mon coup de poker, le 5. Mais 2 sur 4, le 6, le 7 et le 8. Mes couplets gagnants placés. Le 6, le 7, le 8 et le 9. Je répète ma sélection, mes amis. Le 6, le 7, le 8, le 9. Le 2, le 12, le 10 et le 5. Voilà. C'en est terminé pour ma sélection. Retrouvez-la bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio RDC.fr. Allez faire un tour sur mes autres liens partenaires de radio. C'est toujours très, très, très important. Petite parenthèse, je prépare un tuto sur ma deuxième chaîne YouTube. Vous savez que bientôt, pas mal de choses vont arriver sur un certain format et vous allez voir que c'est un tuto qui va être très, très, très intéressant. Peut-être ce site, il y en a des gens qui le connaissent, je pense, j'espère. Ou sinon, bah, vous allez le découvrir. Mais sur ma deuxième chaîne, hein, bien sûr. Je vous mettrai le lien du tuto dès qu'il sera fait, parce qu'il y a de la préparation aussi à faire. Sur ce, merci pour vos commentaires, mes amis. Je vous avais dit, hier, il a fait beau. Aujourd'hui, il a plu dans le nord. Il drache, comme on dit chez nous. À demain pour de nouvelles aventures avec le squale, l'ansois, le pharaon, les courses.